Ma fille est là. Elle est là. Attends. Ton mari est là. Non. Oui, je veux voir ma fille, maman, pardon. Rebecca, viens un peu parler, ta mère là. Tu as même tout maigri, ma fille. Tu as tout maigri, mon bébé. Hey, il te tape. Il tape sur toi. Non, non. Hey, ma fille te touche. Pourquoi tu as tout maigri comme ça, là, mon bébé? Je vais tout faire le nécessaire pour que tu sortes d'ici, là. Ma fille, tu as causé avec lui, comme je t'ai dit dernièrement, là. Maman, les nouvelles sont bonnes. Il a quand même enlevé une chose, le temps du nouveau-né. Il a quand même demandé que vous puissiez vite trouver ça, sinon on va bombarder. Bombarder quoi? Bombarder comment? Je me suis dépassée. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Ma pardon, bombarder, mon enfant a tout maigri. Bombarder comment? Je ne comprends pas le bombarder. Bombarder quoi? La grossesse, non. Même si je vais appeler mon père tout à l'heure, tu as dit quoi? Il a enlevé quoi? Il a enlevé le sang du nouveau-né. Merci. Il a laissé les urines de la grossesse et les cacas du lion. Il a quand même demandé que tu dois vite faire, sinon. Il va bombarder. Dès ce soir, ma fille, je m'en vais appeler mon père au Mbessa. Je vais appeler. Mais il y a encore qui là-bas au Mbessa. Je vais appeler. Je dis que, même comme mon oncle m'a abandonné là. Je veux créer, je veux procréer la famille à Mbessa. Il y a encore les cousins éloignés là. Je vais les appeler pour ça, ma fille. Eh, mon enfant a déjà tout maigri. Regarde. Ma fille est venue ici là, elle était bien. Oh, regarde comment mon enfant, elle ne se sent pas bien comment. Elle parle tout le temps, il faut seulement vite. Hey. Elle pleure tout le temps. Quand j'ai seulement là, Rebecca fait quoi? Elle est en train de pleurer. Parce que je la manque, non. Sa famille manquait. Dieu, Seigneur, aide-moi, pardon. Et comme moi, comme ça, je suis seulement en train de supplier. Mais il n'est pas là, il est. Ok. Je suis en train de supplier comme ça là qu'il doit libérer l'enfant, mais il ne veut pas. Mais quand même, comme il a décidé d'enlever une chose pour les esprits, on va quand même essayer de vite faire. De l'enfant. Merci beaucoup. Merci ma chérie. Toi au moins, si tu as déjà un enfant, tu sais, tu connais ce que c'est que la souffrance d'une maman pour son enfant. Laisse-moi. Chaque jour, je monte, je descends, je cours, je fais même ce que je ne faisais jamais pour qu'on me libère l'enfant. Si. Merci beaucoup. Oh, je ne saurais vraiment quoi te donner pour te remercier. Grand merci. Je suis aussi une femme. Oui, merci beaucoup, mon bébé. Je te promets, je vais t'enlever d'ici. Ouais, ma fille. Je pourrais même te voler pour te ramener à la maison. Bon, cela, il ne peut pas te conseiller. Essaie seulement de chercher ce qui manque là. Aïe. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Bye, mon bébé. Je te promets, je vais t'enlever d'ici. Et là, comment ma fille est derrière, c'est comme l'ombunga. Aïe, Seigneur, je veux faire comment? Il faut que j'appelle au village. Je dois appeler au Mbessa. Ouais, Seigneur. À la prochaine, non? Façon de menace. Tu me trouves assis, toi tu traverses. C'est quoi cette histoire? Hein? Ouais, chérie. Oh. N'est-ce pas, il t'a laissé ici pour aller au marché? Je dois encore faire quoi? T'embrasser, machin, machin. Donc, après 20 ans de mariage. Attends, la règle morale n'existe pas chez toi. Ouais. En tout cas, c'est pas ça le problème. Je te pose une question. De toi, ça, moi, tu es le coq dans cette maison. Tu me laisses même pas me reposer. C'est encore quel genre de question, ça? Je demande bien de toi, moi, qui est le coq dans cette maison. Ouais, bébé, c'est toi, non? C'est moi. Ouais, chérie. Et... Oh, toi aussi. Je demande encore une autre question. Je suis le coq dans cette maison. Et ton oncle et toi... Attends. Donc, c'est moi le coq dans cette maison. C'est toi. Madame, je t'ai dit tout récemment que... Tu concordes avec ta famille pour envoyer ta fille en mariage... Sans mon consentement.
cet enfant, ça veut dire que tu es le père et la mère au même moment. Hey! C'est ça? L'autre aussi sort encore d'où, papa? Ça sort d'où? D'accord. On dit souvent que les femmes sont des êtres infernales. La femme est un être qu'on ne comprend pas. Hein? Je comprends pas comment on peut mettre un enfant au monde et nous, les deux parents, je prends la peine de l'envoyer à l'école. Je paie sa scolarité. Je souviens ses besoins primaires. Hein? Quand l'enfant grandit, ça devient ton enfant. Je n'ai plus le droit, n'est-ce pas? C'est ça? Hey! Dada Sarabame. Abodoua, c'est. Papa savait fumbembe, dit. Voilà ma part de paquet. J'ai demandé à mon cher mari. Tu me veux même au juste, même. Tu me veux quoi au juste? Hein? Tu me veux quoi? Moi, je ne te comprends franchement plus. Depuis, c'est toi et moi, on avait porté Rebecca ici, là, qui était gravement souffrante. C'est même toi-même qui viens me dire que ton ami a dit qu'il connaît quelqu'un. On amène l'enfant chez le marabout. C'est toi-même qui m'amènes vers le marabout, je ne le connaissais même pas. Mais je t'amène chez le marabout et tu vas chez le marabout sans mon consentement. Okay. Hein, sans mon consentement. Attends, ok, d'accord. Ton oncle et ton vous étiez là-bas, lui ou non? Oui! Oui, parce que mon mari, je ne te cache rien, je ne veux pas te cacher. Parce que tu m'as dit dernièrement, tu as chassé mon enfant ici ouvertement dernièrement devant sa soeur. Tu l'as chassé dans leur mariage. Je te rappelle que cet enfant, j'ai souffert avec elle. J'ai porté 9 mois dans mon ventre. J'ai traversé un jour de vie ou de mort sur la table d'accouchement. Ah bon? Pour qu'elle naisse. D'accord. Monsieur, comme si cela ne suit, me chasse l'enfant. Comme okay. Si ce n'était pas lui le père. J'ai chassé l'enfant qui est mon enfant. Donc, madame, c'est toi qui dois, madame, me montrer comment je vais éduquer mon enfant. De toutes les façons. Moi, je dis et je redis, quand le coq va chanter, le jour va sonner. Et tu seras responsable de tout ce qui doit se passer par rapport à cet enfant. Voilà. Parlons même de ça. J'ai appris que tu es parti avec la pioche là-bas. Je me suis croisé avec lui quand je rentrais du marché. Il m'a dit que tu étais là-bas chez le marabout, non? Ah bon? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que je ne suis rien. Toi, en partant là-bas, est-ce que toi-même tu m'as dit? Tu ne m'as rien dit. Tu m'espionnes. Est-ce que c'est question d'espionner? Donc, je fais. Quand l'enfant là, ça te fait maman, ça me fait mal, je suis sa maman. Je fais, tu fais. Oh, tu m'espionnes. Je dérange. Tu veux que je te dise quoi? Tu déranges. Ah bon? Oui. Et quand je parle, tu me tournes le dos, tu pars. Hey! Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Une femme qui envoie son enfant en mariage. Et quand je parle, elle me tourne le dos, elle part. Donc cet enfant n'est plus mon enfant. J'ai passé tout ce temps-là, payé sa scolarité, fais ceci, fais cela. Elle grandit, maintenant c'est ton enfant. De toutes les façons, ça va pas se passer comme ça. En tout cas, je reviens. J'attends la vieille femme là, elle est même plus mauvaise. Quand on est sur un gros dossier comme ça, on ne paye pas le temps. Ça, c'est un dossier chronique. Il peut être rapide. Depuis qu'il a appelé. Ha! Il fait encore 10 minutes là, il ne va pas me trouver. Hein. J'ai tout déjà affrété, moi. J'ai tout déjà affrété. Hein? Bonjour! Mais pas moi, c'est comment je peux dire? Ça va, tu tapes ta petite culotte là, je te vois mon copain à 380 km. Mais tu t'es inscrit comme ça, tu courais ce matin. Je courais, non. Tu vois, quand toi tu m'appelles vraiment, je me suis dit que, enfin, mon sauveur m'apporte déjà les bonnes nouvelles. Non, il y a les bonnes nouvelles. Ah bon? Il y a les bonnes nouvelles. Il y a les bonnes nouvelles. Maman. Je souris même déjà. Hein? Non, souris. Ah, merci Seigneur. Tu sais que tu avais dit que moi, au village, on m'appelle Mbutchoukou. Donc, Mbutchoukou, comme ça, je suis un notable de 23e degré. Ça, je reconnais tes compétences. En tout temps, j'étais obligé d'aller faire une petite réunion avec mes anciens collègues notables. Puis un autre là, que c'était un chasseur de lions professionnel. Hey. Oui. Tu sais que là-bas, à Bambi, il y a les brousses.
Il y a les lions, il y a les panthères, il y a les chimpanzés, il y a les gorilles. Il y a même encore même les dinosaures. Mm-hmm. Les dinosaures. Mm-hmm. Il y a encore les dinosaures là-bas. Il y a même les anacondas. Il y a ça là-bas. Donc tu vas me dire qu'il y a les lions là-bas. Ouais, non, j'ai trouvé le dossier. Mon Dieu. Hein? Regarde comment j'ai transpiré à grosse goutte. Moi, je suis un homme, j'ai le couille. Oh Seigneur. Donc tu as ça. Tu as mon projet. Tu as... Il n'y a pas de souci. Ouais, regarde comment tu transpires. Non, non, peut-être tu me manques. Montre-moi d'abord. Ouais. Montre-moi d'abord le paquet, s'il te plaît. Il y a le dossier là. Hein? Le dossier là. Mon Dieu. Ah, mon enfant. Il fallait garder ça professionnellement. Tchoufou. Tchoufou, c'est un chasseur de lions. Son nom, c'est Tchoufou. Tchoufou. Attends, je te montre. Parce qu'il faut que je te montre avec les preuves tangibles. Mm-hmm. Tu comprends, non? Je comprends. Voilà. Hey! Voilà. Seigneur, c'est comme si je rêve. Non, tu ne rêves pas. Il te dit que moi, je suis capable d'aller déterrer la tombe de Jésus en Égypte. Wow. Pour t'apporter la Bible le jour où on l'enterrait, il avait. Ouais. Je suis capable. Et tu ne connais pas. La manière dont on a attaché ça, on avait peur que même l'odeur s'évaporise. Ouais. C'est des trucs comme ça. Je te remercie vraiment. Ouais, ne me remercie pas. Tu vas me remercier d'une autre manière. Tu as vu. J'ai vu. Maman. Tu comprends comment ça fait? Comment ça part de le cerveau? Il t'a dit que moi, je peux. Je ne suis pas comme les vieux salopards qui sont ici au quartier. Ils ne savent pas. Je connais ta valeur. Vraiment. Tu comprends, non? Je comprends. Je connais ta valeur. Hey. Et si tu m'écoutes, tout ce que tu vas demander, tes désirs seront les ordres. N'est-ce pas? Tu comprends, non? Prends, arrache. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon Dieu. Enfin, ma fille va rentrer à la maison. Bon, il ne faut pas que tu marches avec comme ça. D'accord. Quand même, merci beaucoup. Tu gardes le plastique. Même mon couple est déjà en faillite, vraiment. À côté. L'hésité de que je suis la solution. Ok, merci beaucoup. Moi, je peux délivrer un pays, hein? Hey, je peux délivrer un pays. Avant, moi, je te négligeais. Hey, ah bon? Je te négligeais. Tu me négliges? Non, j'ai dit je te négligeais. J'ai conjugué au passé. Ah, merci vraiment. Ne me néglige plus jamais. Non, je ne peux plus jamais te négliger. Tu as compris, non? Non, tu m'as montré que non, je peux vraiment compter sur toi. Ok, mets là. Merci beaucoup. Ah, un grand merci. Oh, un titan. Je te souviens que la fois dernière, je t'ai parlé. Et nous ne sommes plus les enfants. Oui. Je crois qu'on est les grandes personnes. Donc, quand un homme prétend une femme, même seulement les petits faits et gestes, la femme doit comprendre que non, il y a le monsieur ici, il veut quelque chose. Donc, il faut que tu me comprennes aussi. Je ne parviens pas à supporter l'affection amoureuse mortelle qui est un peu combattue vis-à-vis de toi parce que tu as une beauté esthétique. Une beauté attirante, une beauté captivante. Tu m'attires comme l'aimant. Donc, il faut que tu me comprennes aussi. Hein. Et mon billet d'avion. Merci beaucoup pour toutes les belles paroles. Là. Et mon billet d'avion. Mais vraiment, pour le moment, ma tête n'est pas posée. Toi-même, tu connais les problèmes que j'ai avec ton ami Jean Kiotan. Oui. Donc, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Question pour moi d'arranger mon foyer. Parce que avec mon enfant qui n'est même pas à la maison, là, qui est chez le marabout là, il faut que mon enfant rentre, il faut que mon foyer s'arrange. De là maintenant, toi et moi, on pourra continuer ce que tu es en train de dire là. Mais pour le moment, donne-moi seulement un peu de temps, s'il te plaît. Non, laisse. Moi, je ne suis pas un homme qui. Je ne suis pas un homme qui met la pression. Okay. Je suis un homme doux, un homme souple, un homme attentionné, un homme patient. Merci beaucoup pour la bonne compréhension, vraiment. Grand merci. Là où je suis là, il y a même déjà le pipi que on m'a donné. Okay. J'ai un ami là qui m'a aidé avec les pipis de l'albinos. Mmh. Donc je cours comme ça à la maison, je prends, je m'en vais directement laisser ça là-bas chez le marabout. Non, il n'y a pas de souci. Ma fille doit rentrer ce soir. Mais va rapidement. Oui. Tu as compris. Non, merci. Merci encore. Puis tout à l'heure. Là. Ok. La pioche, merci vraiment mon sauveur. C'est moi-même. Je vais bombarder ça. Je veux bombarder, je ne peux pas rater. On m'appelle chasseur bombardier. Depuis l'année 1990, j'ai un tireur de lit. Je ne rate pas ma cible. Je veux te bombarder, normalement. Jusqu'à ce que le jour-là, la toiture va sauter. Moi, la pioche, je ne peux pas quand même aller risquer ma vie comme ça en brousse pour les cacas du lion avec Tchoufou.
pour venir rater le moment. Non, tu veux te bombarder. Ma chérie, s'il te plaît. Hey, c'est toi. C'est moi, ma chérie. Ah non, c'est toi qui m'a appelé depuis là. Bon, je te dis, je ne fais que courir comme ça là derrière toi, maman. Excuse-moi. Sinon, c'est comment alors? Maman, j'ai couru, oh, il fait que courir, j'écris. Oh, c'est même Dieu qui fait que te voit en route. Je me demandais même déjà comment elle avait fait pour arriver là-bas chez vous. Avec ton mari qui est bizarre là. Ah bon, tu parles, tu es en train d'aller à la maison. Et ma chérie, ça tombe même bien. Ma fille va bien. Ah, elle est là, ça ne me donne pas encore, mais ça va être trop pensée. Et mon enfant, avec tous les efforts que j'ai fournis là, je sais que Dieu va m'aider, mon enfant va revenir. S'il te plaît. Voilà ce que ton mari avait demandé. Voilà les caca. Dieu m'a aidé, j'ai trouvé. Voilà les caca du lion. Voilà les pipis de l'albinos. Attends, ma chérie, pardon. Garde ça. Garde ça. Arrête ça très bien. Tu arrives, tu lui donnes. Pardon. Et si je peux arriver même n'importe où, bien il vient me laisser mon enfant. Pardon. Je vais demander qu'il vienne laisser. Parce que si tu viens là, il ne peut pas encore se fâcher. Voilà. Et maman, très grand. S'il te plaît, arrête ça bien, garde ça bien, oui, ça ne doit pas tomber. Oui, j'ai trop souffert pour avoir ça. Franchement, maman. Hey, dis à ma fille que tant que je vivrai, je ne peux pas l'abandonner. Oui, si le Seigneur a permis, j'ai eu ça. Elle va rentrer chez nous. Eh, maman. Donc, je m'en vais alors comme ça dormir. Va dormir, ma fille. Merci beaucoup. On y a plus. Grand merci. Très grand. Elle va rentrer ensemble. On te prend ensemble. Ensemble. Elle dit qu'on ne passe pas mieux. Il va dire qu'il va venir nous mettre. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. On est ensemble. Ensemble, ma fille. C'est même. Merci, Seigneur. Une chance. Je devrais faire comment? Hey, pardon, qu'elle ne jette pas les médicaments là. C'est qu'elle va encore avec tout. J'ai déjà les problèmes même avec mon mari à la maison. Parce qu'il fallait que je trouve ça. Seigneur, pardon, qu'elle garde ça bien, elle arrive à lui donner. Oh. En tout cas, j'attends sur toi. Rebecca Chou. Donne-moi un peu d'eau là. Je vais Nina. Essayer de ramollir ces remèdes. Merci. Depuis que ta copouse est partie, elle est toujours en route. Elles sont déjà, mais il y a trop long. Hein. Je ne peux pas lui demander d'aller me livrer un remède. Elle revient pour aller livrer l'eau. Ça fait plus de 2 heures de temps. Elle n'est pas de retour. Depuis là,
fait 15 heures de temps, Nina. Il te demande d'aller livrer, tu rentres parce que même si tu vas aller livrer. Il y a un malade qui souffre quelque part. Toi, tu es dehors, tu manges, tu manges. Non, j'ai rencontré la mère de Rebecca là en route. Qui? La mère de Rebecca. Tu as fait quoi? J'ai rencontré la en route quand elle était en train de partir. Ça s'est passé comment? Elle a trouvé ce que tu avais demandé, la lingerie, de l'albinos et les caca du lion. C'est elle qui t'a donné ça? Oui, c'est elle. Pourquoi j'ai encore d'abord un peu. Elle demandait comment l'enfant se porte et tout. Fais ouais. C'est que j'ai la binôme comme ça. Il avait la jaunisse. Moi, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'a donné. Ça, c'est un binôme malade. Mais c'est ce que tu avais demandé, non? Et pourquoi la piscine est vraiment petite comme ça? Moi, je ne sais pas. Et ça, c'est quoi? Les caca du lion, comme tu avais demandé. Regarde du lion. Elle est partie en forêt. Sûrement non. Le lion là avait l'hémorroïde. Yeah. Elle était même constipée, c'est. Ok. Là, c'est pour les esprits. Hein. Mm. Pour les esprits. Mais elle a demandé que si ça, si les esprits acceptent qu'on libère l'enfant. Non, ça va, les esprits vont accepter. Hein? Okay. Donc. Rebecca! Yeah. Et tu es en train de dormir. Tu dors quoi? Tu veux encore chiancer? Bon. Voilà ce que ta mère a donné. Hein? Ça, c'est les urines de l'albinos. Même comme l'albinos a la jaunisse, il n'y a pas de problème. Et il y a également les caca du lion. Mm-hmm. Hein? Donc, chez moi, quand on remplit les conditions, il n'y a pas de problème. Donc, tu vas faire tes valises. Hmm? Tu vas aller l'accompagner. D'accord. Hein? Tu vas aller l'accompagner. Tu as compris, non? Mm-hmm. Ok. Dès que tu as compris, tu rentres vite parce que tu vas reprendre le produit pour aller livrer. Ok. Hmm? Mm-hmm. Hmm? Ça, c'est un malade qui souffre trop. Okay. Les douleurs du bas ventre, etc. D'accord. Hein? Ok, ok. Bon. Allez-y donc. Tu as pris ta valise. Le traitement, ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer les esprits. Hein? Ok. Sinon, la santé, ça va? Oui, un peu. Ah, ça va aller. Hmm? Ça va aller. Ok. Bon. Allez-y. Bye bye. Ah, bye. Pour moi, il m'a pas accompagné. Ah. Salut! Okay, merci beaucoup! Attends.
J'ai dit, hein. Mettre avant le sang de ta soeur. Hey. Et les conditions que le marabout demandait. Mais. Et tout ce qu'on a demandé, c'est tout ce qu'il demandait, je lui ai donné, non? Tu lui as donné? Hey! Hey. Wow. Non, ça, ça, tu mets ça. Regarde-moi ça. La maman, oui, chérie. Tu as donné ce que le marabout demandait. Donc, chaque jour, je sors, je monte, je descends la tête et te disais que je m'en vais même chez moi au village. Tu penses que je partais chez quoi? Le rêve que j'ai fait vrai. Hey. Le rêve que j'ai fait vrai. C'est quelle façon d'accueillir? Le rêve que j'ai fait vrai. Après trois mois. Madame. Hein? Dis-moi comment tu as fait pour avoir les urines de la binos. Ouais. Dis-moi. Mon rêve est vrai ou... Quel rêve, chérie? Mon rêve est vrai ou... Tu as fait comment, Rebecca? Ça veut dire que tu sors avec un albinos. Tu sors avec un albinos. Voilà. C'est ça? Renseigne-toi même à mon oncle. J'étais à Ombessa pour aller chercher les cacas du lion. Je suis partie, je suis arrivée même loin, loin à Batang là-bas pour aller chercher les urines d'un albinos. Tu peux parler de quoi? Tu as fait comment pour avoir les urines de l'albinos? C'est ce que je te demande, madame. Ouais, j'ai payé, non? Tu as payé? Mm-hmm. Tu as payé? J'ai payé. Mais... Donc ça veut dire qu'il urinait et tu as vu, c'est ça, non? J'ai vu quoi? Tu as vu? Oh, je lui ai tu payé. As vu son urinoir, c'est ouais, ça, non? Seigneur. Tu as vu son urinoir? Ouais, chérie, attends okay. D'abord ta d'accord. Fille, non? Après toi, moi. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Mm-hmm. Arrêtez-moi ça. Ne joue pas ce jeu avec moi. Tu as vu le noir de la binos, n'est-ce pas? Mm-mm. Tu as vu? J'ai dit non, non. Tu as vu? Ouais. Le rêve que j'ai fait est vrai. Oh. Le rêve que j'ai fait est vrai. Maintenant, on a demandé qu'il fallait... c'était le caca de quoi? Le caca du lion. Le caca du lion. De quoi? Le sang de nouveau-né, les urines de la binos. Le sang de nouveau-né. Là, mon rêve ne me trompe pas. Tu as fait comment pour avoir le sang des nouveau-nés? Le marabout m'avait dit de laisser. Il avait envoyé la nouvelle par sa femme. Madame, voici l'enfant, je vais te mentir pourquoi. J'ai vu tout ça dans un rêve. Oh. J'ai vu ça dans un rêve. Et on m'a dit que tu es en contact avec un morguier. On m'a dit, et j'ai cru qu'on blaguait. Madame, je te dis et je te redis. Comme tu as décidé comme ça, je risque de t'abandonner avec cette maison. Je pars. Je vais t'abandonner avec cette maison. Et... on va se partager. Tu vas prendre celle-ci. Tu restes avec elle. Moi, je vais rester avec ma fille. D'accord. Comme je t'ai dit. Comme je t'ai dit. Et moi, je te suspecte de beaucoup de choses. Oui. Et quand je pars, tu ris. Tu te moques de moi. Elle rit. Elle rit. Elle ne doit pas rire. Elle rit. Tu ris. Madame, quand je parle, moi, je dis, hein, quand je te parle, méfie-toi. Tu comprends? Quand elle part, tu ris. Quand je parle, tu ris. Telle fille. Rebecca, c'est quoi? Pardon? Tu as des fétiches? J'ai dit, hein, Rebecca, c'est toi qui vomis comme ça. C'est toi qui vomis comme ça. C'est pas possible. Et ta mère au courant de ça? Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Voilà. Oui. La bamoise. Et toi, tu n'as plus m'appeler B ici. Ne m'appelle plus B. Il y a encore quoi ici? Ben. Viens voir ton travail que tu organises dans cette maison. Je t'avais dit que quand le coq va chanter, le jour va se lever. Quoi encore? Ce que tu caches dans la nuit là, ça se dessine en plein jour. Voilà le travail de ta fille. Voilà le vomissement. Ta fille vomit. Rebecca, c'est quoi? Tu es malade. Il y a quoi alors? Tu dis une fille facile. Ouais, mais peut-être c'est le palu, non? Oh, c'est le palu. Des vomissements, tu as vu ça? Hey! On apprend pour un vieux singe comment manger la banane. Tu as vu ce vomissement là? C'est le palu. Tu cherches toujours à couvrir. Tu couvres ta fille sur la dernière, même quand la vérité c'est des signes, tu veux toujours me laisser croire qu'il n'y a rien. C'est le travail. Voilà le travail que tu fais dans cette maison. Ok. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est mon travail. C'est moi qui allais donner l'enfant à Maria chez le marabout. Viens d'abord et te regarde. Mais tu ne chauffes même pas.
Les vestiges. Je dis, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Donc, ce, je ne sais où c'est, sous son nom même, c'est même quoi. Le marabout là, il en voûte les enfants des gens. Il demande l'impossible aux parents. Madame, arrête ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Maintenant, le marabout demande ceci. Voilà la cloche qui a sonné. La cloche a sonné. Donc, comme la si je suis un qui comprend bien, le bon monsieur a mis l'enfant dans le ventre de mon enfant. Je ne veux pas connaître. Ça ne m'intéresse pas. Mais il va me sentir passer. Tout ce que je veux dire, hein, c'est que le trousseau là, je ne veux pas entendre que. Il s'attire pas. Je te dis bien que le trousseau, et je ne suis responsable de rien dans cette maison. Donc, comme vous avez arrangé, et c'est comme ça que vous allez gérer. La façon dont tu arranges ton lit, c'est la même façon que tu dors. Moi, je t'ai dit, et quand j'ai parlé dans cette maison, tu me montrais que tu étais la femme qui parlait, le seul clos qui chantait dans cette maison. La façon que tu arranges ton lit là, c'est la façon que tu as dormi. Allez-y. Hé, Rebecca, tu m'as tué, oh. Maman, toi-même, tu ne pouvais pas refuser de coucher avec lui. Je te blâme même pour rien. L'enfant aujourd'hui, tu connaissais quoi? Quelqu'un qui a, il passe son temps à prendre les enfants déjà, il met dans la bouteille, il met dans, il envoûte. Hein? L'autre, il a enlevé la police, c'est devenu sa femme. Toi, il t'a enlevé le tombe-tombe, c'est devenu sa femme. Il va me sentir passer aujourd'hui. Ma fille, je ne peux même pas te jeter devant la maison. Je m'en vais le voir là tout de suite. Il va me sentir passer. Un sorcier. Ta sorcellerie là. Il va madame de passer. Ah ok, toi tu es même là. Bonjour madame. Bonjour. Je ne sais pas où c'est le marabout, où c'est ton mari. Je ne sais même plus comment l'appeler. Il y a quoi? Ouais, il est là. Oui, il est là. D'accord, je vais le voir. Est-ce que je peux? Non, attends d'abord, mieux assieds-toi, je m'en vais regarder ce qu'il fait. C'est quelle malchance ça. Mélès, tu auras ton salaire un jour. Tu crois que tu as gagné, tu auras ton salaire. Il prend l'enfant, il met la grossesse. Et après, il fait comme s'il était trop gentil. Ça allait m'étonner comment. Du coup, il a demandé qu'on vienne me laisser l'enfant. Ça allait m'étonner si facilement. Comment il a même demandé que, non, pour le sang du nouveau-né, on peut laisser. Ça allait m'étonner tout ça. Monsieur avait déjà fait son travail. Mais tu vas m'entendre passer. Tu vas m'entendre passer. Quand il pense même que même mon foyer est en danger. Pour l'instant, il est d'abord en train de faire. Et mon problème, c'est quoi? Je dois faire comment? Non, tu dois patienter. Ok. Je vais te poser une question. Excuse-moi. Est-ce que tu savais que ton mari a couché avec ma fille jusqu'à mettre l'enfant dans le ventre? Il va m'entendre passer. Il va sortir, il va venir me trouver ici. Dans elle enceinte. Ah, dans elle enceinte. Tu as fait combien de temps ici avec elle? Hein? Tu ne pouvais pas empêcher que ton mari monte sur elle? Laissez-moi, il pouvait parler. Ok. Parce que tu es le genre de femme soumise, le genre que vraiment tu te laisses ton mari marcher sur toi, il t'amène seulement les femmes chaque jour. Ta maison s'il va remplir comme ça là. Il demande l'impossible parce qu'il veut garder les enfants des gens chez lui. Mais il va m'entendre passer. Il va enlever ça. Mon enfant n'a pas encore l'âge d'accoucher. Démon. Et Dieu aura son salaire un jour. Il va avoir son salaire. Je me calme quoi, mon enfant? Ah ok. Moi je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Enlève la grossesse que tu as mis dans le ventre de mon enfant. Monsieur le marabout, enlève ça très rapidement. Ma fille n'a pas encore l'âge d'accoucher. Tu me suis? Qui a enceinte? Merde. Tu me poses la question. Tu n'as pas couché avec elle? Tu n'as pas couché avec ma fille Rebecca? Hein? Donc tu m'as demandé l'impossible. Mais ça allait m'étonner comment? Tu as demandé à ta femme de me dire de laisser le sang du nouveau-né. Laissez, hein? Enlève ce que tu as mis dans le ventre de mon enfant. Hein? Oui. Ok. Si tu penses qu'elle est venue jouer ici, là, elle-même va te dire ce qu'elle m'avait la fait. Elle-même va te dire. Monsieur le marabout, je suis Yambassa, Tombessa.
tu vas m'entendre passer. Ah, je suis de Barine Kouane. Eh, ma femme, papa. Eh, j'ai chargé le ventre, je vais te charger si tu peux. Chut. Tu as même qui supporte, hein? Non. Hein? Non. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais occupé, que tu étais en train de soigner malade. Et après? J'ai dit qu'elle patiente d'abord. Tu là depuis que tu attaches ton ventre, tu attaches ton ventre, tu ne veux pas porter. Quand je bombarde ailleurs, tu attaches le visage, tu montes les coups contre moi. Si tu as la malchance, ça sort les jumeaux, c'est ton problème. Tu vas arrêter ton corps avec. Pourquoi appelle la médecin comme ça? Marche là-bas, tu marches comme le cafard. Il est même tu comme moi. Il m'a dit seulement ce qu'il a que j'ai. Laisse mon petit fils, il s'explique. Chut!